Alors, vidéo suivante, je me retrouve, vous voyez, au niveau de la map. Je me balade un petit peu avant de reprendre la quête principale, je fais le tour. On a des 2-3 temples qui sont dans la zone, 2-3 sanctuaires. En l'occurrence, le Zio Signo qui est ici. Et j'irai faire un petit tour juste à côté après. Pour voir les PNJ qui sont à côté. Et comme la première chose à faire, à mon sens, hein, après c'est moi, hein, y en a, j'aime bien tout faire, tout ce que je peux faire, je le fais avant de continuer quête principale. Ça voudrait dire que je pourrais très bien me balader partout sur la map. En étant tranquille. Mais je vais rester aux alentours de la quête. Je vais faire les 3-4 temples qu'il peut y avoir. Mais au moins, ça me donne une possibilité de téléportation plus évidente. Donc là, on a ça. Il y a un X ici. Et ça parlait de rotation. Alors la question c'est, est-ce qu'il y avait un autre coffre sur la zone? J'ai même pas regardé. Non. En revanche, le toit, on a l'impression qu'il y a de l'eau. C'est assez, assez sympa. Vraiment, graphiquement, c'est des couleurs et des styles sur lesquels, moi, à mon niveau, je m'identifie beaucoup plus que le précédent. Alors, on en a un ici. Ouais, mais ça passe pas. Ah ouais. Pas grave, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est de la géométrie dans l'espace et j'adore ça. En revanche... Il y a un truc qui va pas le faire. Voilà. Compliqué, hein.
Pour l'instant, c'est vrai que c'est les premiers temples, un petit peu techniques, mais... Parce qu'à la rigueur, si je peux rajouter un cœur, c'est toujours ça de prix. Après l'endurance, ouais, la stamina pour pouvoir aller plus facilement sur les zones inaccessibles, ça va quand même aider aussi. J'aurais une tendance à booster la stamina à mort et après faire les cœurs. Donc s'il y en a autant que dans Breath of the Wild, des sanctuaires, on en aura 150. Et oui, je ferai 150 vidéos de temples, enfin de sanctuaires. Oh là là, j'ai du mal. Donc voilà, je vais vous remontrer sur la map où on est. Voilà, on est là. Voilà, tout a été fait. Et comme je l'avais dit au début de la vidéo... J'ai assez rapidement ce qui m'est arrivé, j'ai touché des miasmes pendant que je faisais des recherches dans les profondeurs. Heureusement, dès qu'on retourne à la surface, on récupère peu à peu de l'énergie. Mais tant qu'on est dans les profondeurs de la Terre, on récupère rien du tout, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Alors, imagine si j'étais tombé et que les recherches devaient être interrompues à cause de toi. Ok, tellement profond qu'on n'arrive pas à en voir le fond, alors forcément ça attise la curiosité des chercheurs, on doit faire le tour tout notre possible. Ok. Ça veut dire que on peut y aller ou pas? Ça, j'avoue ne pas savoir. Néanmoins, voilà.